Bonjour à toutes et à toutes, c'est Darkside, bienvenue pour une nouvelle finale de Coupe européenne. C'est la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe 1973 que nous allons rejouer, revivre sur PlayStation 4 PES 2018. Cette finale, elle se joue à Salonique, au stade de Salonique, le Captain Zoglou, et elle oppose les Anglais de Leeds United, emmenés par le capitaine Paul Rini, aux Italiens du Milan AC, emmenés par leur capitaine vedette Gianni Rivera. Match entre deux formations plutôt défensives. Les Anglais de Leeds, l'équipe de Tony Revie, qui se passe en l'occurrence de Johnny Giles et de Billy Bremner, qui reste sur le banc. Il y a quand même quatre joueurs à vocation offensive devant, avec Joe Jordan, Peter Lorimer, Thierry Yoraf et Mick Jones. Et côté italien, c'est du costaud forcément, c'est la défense italienne. On s'en remettra au génie de Gianni Rivera, épaulé par Romeo Benetti, pour servir devant, entre autres, Luciano Chialobi. Voilà, et c'est parti donc entre les joueurs en blanc de Leeds et les joueurs au maillot rouge et noir de Milan, avec un premier ballon sur le côté pour le capitaine Paul Rennie. Et première occasion pour Joe Jordan sur le poteau. Poteau déjà d'entrée en ce début de match. Et ben voilà, on s'attendait à un match fermé. Et on voit que déjà Leeds s'est créé une première grosse occasion. Rennie. Lorimer. Alberto Bigon, bien pris par la défense anglaise. Angway. Qui cherche droit devant. Kick and rush à l'anglaise. C'est un match musclé. On sait que Leeds est une équipe réputée pour sa rudesse. Rini, le capitaine en débordement. Bien prendre son aile. Centre devant le but là, c'était Terry Hoff qui était chargé. Trop court sur ce ballon, en tout cas. Un début de match pour l'instant plutôt à l'avantage des Anglais de Leeds. Bigon. Bigon. Gianni Rivera qui lui remet. Ça s'est bien joué ça. Bigon toujours. Alberto Bigon qui a cherché. Qui a l'oubli dans l'axe. C'est repoussé, c'est relancé par Trevor Cherry. Trevor Cherry pour Lorimer. Lorimer, il est passé. Le centre de Lorimer, la tête de Jones sur le poteau, la barre transversale plutôt qui vient sauver Vecchi. Deuxième montant trouvé par les Anglais de Leeds. Et là, Jordan qui est cherché. L'attaque à quatre joueurs côté de Leeds pose des problèmes à la défense milanaise. Calobi bien pris là par Norman Hunter. Norman Hunter qui prend le premier carton jaune de ce match, et que l'on surnomme le boucher. Norman Hunter, ça ne peut pas attendre. Et là, il a été s'essuyer les crampons là, sur la cheville de Luciano Calobi. On parlait de la rudesse des joueurs de Leeds. Allez, là, démontré. Allez, le coup franc. Rivera, Benetti autour du ballon. Qui s'efface et qui laisse pour Benetti, c'est contré. Attention, ça va revenir peut-être avec la récupération de Bigon qui a essayé d'amortir ce ballon en pleine surface. Et David Harvey, le gardien écossais, relance pour les joueurs de Leeds. Cherry. Vraiment Cherry qui n'a pas attaqué, cherche une solution en retrait avec son capitaine Paul Rennie. Sur le côté là-bas, Lorimer. C'est une touche en faveur des. Et Ansonero, Lone, Sabalini. Sabalini qui attend trop et qui se fait prendre le ballon par Joe Jordan. Jones, Lorimer, Cherry, ça combine côté anglais. Rinet dans la surface de réparation qui déclenche le frappe au premier poteau du capitaine anglais. Ça passe à côté du but gardé par William Vecchi. Et encore une fois, c'est Leeds qui se montre pressant et entreprenant dans cette finale de Salonique. Bah, c'est une équipe italienne pour l'instant plutôt sur la défensive. 25 minutes de jeu. Et le bidon qui est dominé. Gallo.
numéro Sato. Rivera. On attend beaucoup de Jenny Rivera. Il va faire le jeu. Le Sato toujours. Et il attend assez longtemps les joueurs italiens avant de déclencher leur, leur transversal. Sabanini qui va être trouvé sur le côté. Sabanini. Le retour là de Trevor Cherry. Improprement. Une belle relance qui trouve le coach Joe Jordan avec Mitch Jones. Mitch Jones qui va aller travailler là sur le côté. Jones. Jones en dribble. On va pouvoir centrer. C'est bon, c'est trop pour le Gallois Terry Yola. Toulon. Bigone. Alberto Bigone avec Gianni Rivera. Bigone. Et Bigone qui a pris par Paul Medley. Ça va revenir dans les pieds italiens. Un jeu un peu stérile pour l'instant. Sogliano pour Alberto Bigone. S'il récupère, oui, il a récupéré. Ballon pour Romeo Benetti. C'est repoussé, attention. Dégagez ce ballon côté Leeds. Voilà ce qu'il est fait. Et on cherche quoi devant. Et le ballon qui revient devant le but de David Harvey. Oh, attention, ça peut être dangereux, ça, dans la surface. Il ne faut pas le, pas le toucher. Benetti, ou l'arbitre a sifflé quelque chose. Alors, c'est Hunter une fois encore avec qui est réprimandé. Attention, il a déjà pris un carton jaune, Norman Hunter. Ouais, on demande à l'arbitre de ne pas lui donner le deuxième. Pierre-Roubi qui protège, peut-être que ça s'est passé dans la surface, qu'est-ce qu'il a eu. Pierre-Roubi, ouais, sans le ballon. Ça mérite peut-être un jaune, ouais, ça aurait été l'expulsion. Donc là, c'est un coup franc. Coup franc bien placé là. Coup franc de Rivera et belle parade là de David Harvey qui a été chercher ce ballon. Il était bien botté là par le numéro 10 italien. Première occasion donc pour les Italiens après 40 minutes de jeu. Le River. Le River qui pousse trop loin ce ballon. Pets qui va être trop court. Rossato. Tout le monde est. Rivera. Kialogi. Kialogi qui a encore pris un coup. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Benetti sur le côté. Benetti qui repique. Benetti qui frappe et qui ne trouve pas le cadre. Deuxième occasion franche là pour les Italiens. Sur ce beau service là de Benetti qui s'était fait oublier, qui repique pied droit, frappe coup du pied, qui fuit le cadre. Il y aura eu deux montants, un poteau, une barre côté Leeds et deux occasions également côté Milanais en cette première mi-temps. Jordan. Rimmer qui a le compte favorable, qui essaie de rejoindre les deux, c'est repris par la défense italienne. Costo en l'instant et qui aura bien tenu en cette première mi-temps. 0-0. On reste un peu sur notre fin en cette finale de Coupe de vainqueurs 2. Et c'est reparti ici à Salonique pour la seconde période. Pas beaucoup de changements puisque juste Frank Gray a laissé sa place à Gordon McQueen, un écossais pour un autre écossais, on pose derrière. Gordon McQueen un peu plus physique, ou belle frappe là pour la Milan AC. Tout de suite se crée une belle occasion avec Toulonne, Maurizio Toulonne, belle frappe, passe pas loin du cadre. Les Italiens ont joué plutôt bas en première mi-temps. Changé en seconde période alors que Dario Dolci va faire son entrée à la place de Roberto Rossato dans l'axe central de la défense italienne. Rivera il a servi Bigone contré par Gordon McQueen. Le Raffa encore, ça s'est fait Jones, Jordan qui essaie de conserver le ballon. Et Bigone a un joli geste pour relancer. Et personne, les joueurs de Don Revy, les joueurs de Leeds United récupèrent Yoraf. Le centre de Yoraf, la tête tenue d'arbitre, il a sifflé et il donne la carte jaune là. Alors on va voir ce qui s'est passé, un tacle en retard sans doute sur ce ballon d'arrêt. Tacle très en retard là sur Terry Yoraf. Carton jaune totalement justifié pour Tignoli. Pour les Anglais avec la reprise de volée de Mid-Bet. Premier poteau, ça passe au-dessus. Et pour l'instant, toujours pas de décision faite dans cette finale de Coupe des vainqueurs de Coupe. Ici en Grèce, à Salonique, enfin, qui l'a dit.
la frappe de Rivera, là, il peut contrer, et David Harvey qui va pouvoir relancer à la main pour Gordon McQueen. Et attention, il est contré, McQueen est en jeu, malheureusement, avec Kirby, il s'en veut. Il va essayer de se repositionner assez rapidement autour de l'enjeu. Gordon McQueen. Il est bien difficile de dire qui va prendre l'ascendant dans cette finale. Bates, Trevor Cherry, Lori Moore pour Toupé, Lori Moore qui se bat bien, la frappe de Lori Moore et l'appel arrêt de William Vecchi. Angle fermé, pitcher Lori Moore qui a été chippé cette balle-là. Elle est hop, belle frappe, elle a été cadrée. Et bel arrêt du portier italien. Et c'est un corner, attention, coup de pied arrêté. Ça peut se débloquer sur justement un coup de pied arrêté avec Terry Yorav. Avec une tête qui passe juste à côté. Tête trop décroisée de Joe Jordan. Ouais, ça passe juste à côté, ce coup de tête là. Les Anglais un peu plus pressants. Et on se demande quand est-ce que Don Revy va décider à faire entrer du coup, l'une des deux stars qui reste sur le banc, à savoir Johnny Giles, l'Irlandais, ou l'Écossais Billy Brenner, deux stars de cette équipe de Leeds qu'il a préféré pour l'instant laisser sur le banc. C'est un choix assez surprenant, car Billy Brenner ou Johnny Giles pourrait apporter beaucoup dans notre jeu. Alors il va être trop profond pour Terry Yorav. Il ne reste plus qu'un changement disponible dans chaque équipe. Et Billy Brenner est en train de se morfondre sur le banc de Leeds United à Subiano. Subiano derrière avec tape de balle. Libération Benetti. Benetti, il s'est gêné. Avec Touron, et Touron récupère Junior Raff. Ballon perdu, attention, Lori Moore. Allez, bon ballon pour Lori Moore, tout ça. Peter Lori Moore qui peut accélérer là, qui n'a pas les jambes mais qui se fait reprendre. Peter Lori Moore. Ah, il a trop attendu, il n'avait pas de solution au centre. Jordan. Sur le côté, le Rimmer qui peut centrer, le Rimmer qui préfère aller en dribble, et c'est une perte de balle, et ça sera un corner pour Leeds encore une fois. 69e minute de jeu. Allez, le corner, Terry Yorav, le dégagement du point autoritaire là de Vecchi, et le bilan qui se relance pas pour longtemps. La récupération, Yorav qui est passé à l'extérieur du pied contré. Sogliano. Sogliano, attention, le contre italien, Sogliano tout seul, là, il n'a pas de solution, il va s'enfermer, il pousse ce ballon trop loin. Là, ça fait bien longtemps que le Milan n'a pas été dangereux. Yorav, Jones avec Yorav, ça c'est bien joué. Le 1-2, Yorav qui peut centrer, ah pourquoi il dribble encore une fois. Avec Bates, il faut centrer, il va aller au bout, non Bates, qu'est-ce qu'il attend derrière, Yorav encore. Ah, il est Bates qui va obtenir le coup franc. Oh, attention. Attention, Zignoli. Oh, c'est pas bon ça pour le Milan AC, oui. Le deuxième carton jaune pour l'arrière droit, Zignoli. Encore une fois, ah, il a un tacle sans raison là, il a plus le ballon, ni Benz. Qu'est-ce qu'il va aller tacler Zignoli, et il va mettre son équipe en souffrance là pour le dernier quart d'heure. Le Milan AC qui va finir à 10. Ça c'est un coup dur. Quelle erreur là du défenseur au droit du Milan d'aller écoper d'un second carton jaune sur un joueur qui n'avait plus le ballon. Kiletti, Sogliano qui perd le ballon, le pressing, il est des Anglais. Oh, le bon ballon pour la reprise de Jordan qui a préféré reprendre en demi-volée ce ballon. Il y avait peut-être moyen de contrôler. Regardez le bon service là par-dessus. Ah, c'est vrai qu'il y avait le retour du défenseur. Ah, sa reprise, elle est équilibrée. Mais Vecchi est dessus. Ça donne un nouveau corner. La pression là des joueurs de Leeds. Yorav. Tête encore et la parade de Vecchi. Magnifique parade de William Vecchi sur sa ligne. Là, il a fallu car la tête était splendide. On a du mal à se dégager. Il y a eu une faute là encore, l'arbitre, il l'a vu. Le bilan est sous pression, c'est même le capitaine Jalier Rivera qui vient faire cette faute. À 25 mètres sur Mick Bates, encore un tacle en retard. Attention, le bilan est en train de perdre ses nerfs. Ce
C'est loin, c'est loin ça pour Terry Urap. Urap derrière avec Cherry pour Peter, pour Paul Riney, Riney, Riney. Oh, et lui ah, la combinaison qui fonctionne côté de Leeds. La combinaison sur coup franc qui surprend les joueurs du Milan et c'est le capitaine Paul Riney qui libère le club anglais de Leeds ici à Salonique. La combinaison sur ce coup franc qui a surpris les Italiens. Ils s'attendaient à un petit ballon par-dessus ou une frappe directe. Regardez, Urath, ballon en retrait. Le ballon pour Cherry qui donne tout de suite sur le côté à Riney qui est décalé, qui est tout seul, qui est démarqué. Et la frappe coup du pied de Paul Riney fait la différence. Que c'est bien joué. Les joueurs du Milan sont montés sur le porteur du ballon. Et en l'occurrence, c'était Mick Betts qui a réussi à décaler pour son capitaine. 1-0, c'est une ouverture du score à 10 minutes de la fin qui vaut cher, qui vaut très cher. Et les Milanais vont sans doute regretter de se retrouver à 10 en infériorité numérique face aux joueurs de Dunleavy qui, nul doute, maintenant vont essayer de conserver cet avantage. Jones, contré. Un miracle, c'est Sogliano qui cherche devant, mais ça va être compliqué pour le Milan. Jones encore qui est recherché, ils ont du mal à se relancer, mais les Milanais. Et le tacle de Benetti, l'arbitre ne dit rien, Rivera devant, mais là sans problème, Bates. La défense anglaise est en place, attention le ballon par-dessus, Jordan qui récupère, Jordan qui va y aller au but, Jordan le but, ah, le petit filet. Oh, quelle occasion de 2-0 pour Joe Jordan. Sur ce ballon de Jones, regardez, ah, il l'a embarqué là, de Vecchi qui n'ose pas y aller, et c'est le poteau même. Troisième poteau dans cette rencontre, c'était la balle de 2-0. Pour solder tout ça, et ben on en reste à 1-0. Leeds est en bonne voie toutefois pour s'imposer. Attention, Sogliano. Sogliano, la frappe de Sogliano repoussée. Oh, David Harvey qui repousse, attention, c'est pas fini, ça va revenir. Calogui, derrière la frappe peut-être de Bigone, mais on s'est contré, Sogliano, demi-volée de Sogliano, c'est à côté. Le Milan qui jette toutes ses forces dans la bataille. Avec frappe contrée, Sogliano, demi-volée là, c'est au-dessus. Ouf, on respire côté de Leeds. C'était pratiquement la seule occasion. Cette seconde période du Milan AC, alors qu'on est rentré dans les arrêts de jeu, et sur le banc, Dunleavy peut sourire. Son équipe de Leeds va sans doute remporter la coupe des vainqueurs de coupe, alors que Maurizio Turone, là, perd ses nerfs et vient écoper d'un carton jaune pour cette faute sur Mick Jones. Ça sent bon pour les Anglais. Quelques poignées de secondes, Hunter. Allez, Bigone, il n'y a pas beaucoup de solutions. Sogliano, il faut essayer de chercher devant. Mais il n'y a personne devant, c'est perdu. Bates, Riney, et voilà, le ballon termine dans les pieds du buteur, du capitaine de Leeds. Paul Riney qui va aller pouvoir soulever le trophée, cette coupe des vainqueurs de coupe arrachée. Donc, au détriment du Milan AC, c'était Darkside. A bientôt.